Ils sont tous là pour leur gamelle. Hein. C'est et ça. Toi, elle est où ta gamelle? Elle est dans ton sac? Non, moi j'ai ma bâche en plastique quand s'il pleut. Ma bâche en plastique. Tu te prends pour un SNL. Là, t'as vu, j'ai filmé là. Là quoi? Il bah, y a le commandant, comment il s'appelle? Le Corse, là, Tony Le Corse. T'as été le filmé? Ah, il est là? Non, je l'ai filmé là et j'étais au carrefour, là, ils étaient tous là avec des camions et tout le bazar. Tony Le Corse. Et quand je les ai filmés, tu sais, je faisais une petite vidéo comme ça. Ouais. Et ben, comme ils le voient que je suis en live, ils m'ont fait sauter là. Ça a sauté. Ah, comment ça ils t'ont fait sauter? Bah ils peuvent. Le truc, tu vois là, il tourne. Oh ouais. Bonjour, ça va? Ah, tu veux dire Google, ils t'ont fait sauter le bordel? Celle-là. Celle-là. Sauté. Ça va? Ça va. Bien. Ils m'ont fait sauter ma. J'ai filmé le commandant Tony Le Corse. Ils m'ont fait sauter, la vidéo là. Pourquoi? Qu'est-ce qui était dit? Bah rien, mais ils veulent pas. Parce qu'ils sont pleins dans les petites rues derrière. Et moi, je veux le suivre puisque j'étais bloqué, je peux pas y aller avec ma trottinette ici. Ouais. Ils veulent pas. Ils veulent pas que tu montres les forces en présence. Allez, on presse plus pas, là. Ils arrivent, ils m'ont inspiré la vidéo. Hein. Elle y est plus. Alors, hein. J'avais une petite vidéo de 8-10 minutes. Ouais. Elle y est plus. Soigne ton cadrage. Ah ouais, c'est une balade à deux balles. Soigne ton cadrage. Bah je soigne. Regarde l'écran. Ouais. L'écran. Je vais faire aussi une petite photo depuis la hauteur. Et la hauteur, monte en haut. Là, on va voir le camion là. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a dans le camion là-bas? Il y a un camion. Il y a tous les Mongols qui. Mélenchon dans un lit à baldaquin. Redis-le, qu'est-ce que t'as dit? Il y a Mélenchon dans un lit à baldaquin avec des gens qui secouent des feuilles de palmier. Et qu'est-ce que tu penses du Premier ministre alors? Bah, pour moi, c'est un exécutant des bases d'œuvres des banques, hein, c'est toujours là. Il nous parle de la dette. Il dit qu'il va faire un langage de vérité, il nous parle de dette économique et écologique, mais en fait, il ne nous dit pas que toute la création monétaire fait la dette en fait. Donc si on ne met pas en cause de ça, bon, voilà, on reste soumis au pouvoir bancaire de créer la monnaie par le crédit. On fait un jeu là, on est quatre. Qui c'est qui va être le Premier ministre? Le ministre de l'Intérieur du premier. Darmanin, Eric Ciotti. Voilà, merci. Pourquoi ils vont le sauter? Voilà, lui il a dit. Alors Darmanin, Eric Ciotti, moi je vais dire. Ministre de l'Intérieur, c'est Darmanin actuellement. Oui. Déjà, la décence qui est concordante qui dit que Darmanin va rester. Excusez-moi, j'ai une pensée sincère à tous ceux qui sont allés voter, tout ça pour qu'on ait quasiment le même gouvernement et tous les gens les plus imbuvables dans ma chronique sont dégagés. Aïe. Mais toi t'es jeune, t'as compris. Et t'as quel âge toi? Hein? T'as quel âge? T'es jeune? Oh, j'ai que 23. Eh bravo, mais c'est beau, parce que tu comprends les trucs. On change les comédiens, mais on garde le scénario. Voilà, on change les. T'as vu ce qu'il dit? On change les comédiens, mais on garde le scénario. Qui fait du brouillard. Mais même Attali l'avait dit. C'est lui qui dit. C'est Lucas. En avril 2016, il avait dit en quelque sorte, on apporte un programme, et puis il y aura des politiciens. Ça pourrait être Bruno Le Maire à droite ou Macron à gauche pour l'exécuter. Puis voilà, finalement, un an et un mois après, on a eu les deux, quoi. Bruno Le Maire pendant 7 ans. On rigole, mais Bruno Le Maire, il est quand même resté 7 ans ministre de l'économie. Voilà. Ah, lui, c'est bien casé, l'enfoiré. Hein. Attali, mais t'as vu, le ministre Barnier, il ressemble, on dirait le frère de Le Maire. Ils se ressemblent, ils ont la même tête. Par contre, moi, il y a un truc qui me fume quand même. Ils viennent de la même usine. Quand bien même, je suis proche de député LFI ou député de la gauche, c'est dire que Barnier, c'est un dinosaure alors qu'il a à peine 223 jours de plus que Mélenchon. Quoi. Eh oh. Il n'a pas le même coiffeur, le même teinturier, peut-être. C'est ça. Non mais moi je vais vous dire, heureusement que tu veux que je te dise, là ça me cassait le moral parce que je vois les gens un peu dans le brouillard, mais quand je reviens, on parle avec vous, ça nous évite de devenir dépressif ou de devenir fou avec des paroles comme ça, tu vois ce que je veux dire? Voilà, faut être... Pardon? C'est ça. Et quand je vois un jeune comme lui, bah voilà, ça fait plaisir. Avec quasiment tous les ministres de Macron qu'ils ont insulté. Non, ça va être magique quand même à l'Assemblée. Je sens qu'on va avoir des moments magiques. Ils font la même politique. C'est ça. On a Meloni en Italie. On a. Mais le RN, il paraît qu'il. En Grèce. Mais le RN, il paraît qu'il allait pour Barnier. Il s'est fait depuis longtemps. Ouais, mais il a s'est soumis à l'Union Européenne. Ouais. Le référendum, finalement, ils ont trahi parce que ça plaisait pas à l'Union Européenne. Tu fais des études, toi? Tu fais quoi? Je suis en histoire, c'est ma dernière année. Je pense à la dernière année d'histoire. Ah ouais. Intéresse-toi à Maurice Allais, la création monétaire. Ça explique les révolutions anglaises et françaises. Allez, bah salut, merci Yaman. Ouais, à toutes. Ce qu'on dit pas en histoire. Voilà. Oh, ça fait plaisir, putain. Sinon, on deviendrait. Oh, bah il est là, bonjour. Ça va? Mais t'as pas mis le casque aujourd'hui. C'est calme. Je vais aller l'emmener, mais. Je veux pas trop me donner en spectacle. Voilà. Pas facile, hein. Pas facile, la vie va bien faire. Ouais. Le prix pour 800 euros,
C'est le photographe. Là. Là-bas, ils ont lâché du shit rouge. Rouge couleur. Mais le vent, du, le vent, il pousse shit, de l'autre côté. Là, on est bien passé parce que le vent, rouge, le vent, shit, il envoie les, l'autre côté. Shit, rouge, goût cerise. Il lâche du shit. Goût cerise, il est rouge. Parce que ça décourage, et ça décourage quand même toute cette politique depuis. Hein, ils vont nous user jusqu'au bout. Hein, hein. Ouais, on dirait que dans... on a de la ressource. On a de la ressource. Non, les gens, ils s'en foutaient un peu. Hein. Là, les journaux n'arrêtaient pas de nous parler du Premier ministre, etc. Mais en fait, les gens, ils s'en foutent un peu. Hein. Ah ouais. Ils savent que c'est guignol. Les gens, ils sont dégoûtés un peu. Tout le monde est bien. Oui, ouais, même ceux qui ne font pas de manif, rien. C'est de l'esbrouf, quoi. C'est pas ça. C'est ça. Mais ça, c'est ce qu'ils veulent, en fait, diviser les gens. C'est ça. Ça fait son pénal. Et divisé, voilà, moi je suis de gauche, toi t'es de droite, voilà. Et il paraît que, hey, t'as vu là, comment, la RN, Marine Le Pen, elle était contre je sais pas qui, mais elle a dit que... Voilà. Ah oui, Cazeneuve. Bonjour, ça va? Ça va? Bon, ben, bah, pour les camarades là, on va faire une petite pause pour tester. Ah, tiens, bah, y a les, ça, c'est des grosses chaînes là, tu vois. Le... Bonjour! Les gars, là-bas, les trois là-bas. C'est des grosses chaînes sur YouTube. Ils font un peu. Ils travaillent un peu pour le système. Oh! T'as pas vu Rania? Covid au complotiste. Ah bah les gilets jaunes. Ah bah voilà, il y a... Ah, Kai. Eh, t'as pas vu Rania? Bah, allez, attends, je vais aller voir Mehdi. Ah, appelez, je lui dis, viens devant. Quand t'es derrière, si tu veux venir devant, parce qu'il y a des sécurités.